بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة أيتها الأخوات سلام الله عليكم مرة أخرى في هذه الوصلة وصلة الجمعة حيث نلتقي معكم كل أسبوع في هذه Donc, comme chaque vendredi, ce euh, rendez-vous euh, hebdomadaire que nous avons pris entre, entre nous, non pas encore une fois pour remplacer le prêche du vendredi, parce que nous continuons encore à prêcher ou plutôt à prier d'or euh, et non pas le vendredi chez nous, même si euh, après le 11, nous continuerons quand même à euh, observer euh, ce que nous avons fait quasiment depuis depuis deux mois. Il faut dire que le déconfinement euh, de lundi prochain, euh, c'est vrai, donc on aura euh, plus ou moins euh, de liberté hein, pour bouger mais euh, tout en étant vigilant, notamment dans notre région, qui est, comme vous le savez très bien, une région où, euh, une région de couleur euh, rouge. Mon propos aujourd'hui euh, tourne autour de deux points. Un point, euh, le premier c'est, euh, je considère fondamental, qui est celui de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, euh, l'amour des êtres humains euh, en Dieu, l'amour de l'obéissance euh, et des obligations que Dieu nous a prescrites. Donc toutes ces notions-là, j'essaierai de euh, m'arrêter euh, devant elles euh, dans, euh, un premier, dans un premier temps, dans un premier point. Le deuxième, je vais le consacrer pour un peu euh, commenter. Euh, cette, euh, allez, je vais employer le terme, cette guerre de communiqués que nous avons vécu cette semaine, les communiqués d'un certain nombre de fédérations, de structures musulmanes euh, qui, qui nous ont un peu euh, dérangés, dérangés, franchement, j'emploie le terme, euh, avec un certain nombre de propos, alors qu'on est censé on Est censé être euh, faire bloc commun, comme on dit, faire front commun euh, face à cette pandémie. On n'est pas encore sorti d'affaires, de, 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 euh, donc je dirais quelques mots en, en deuxième point. Le premier euh, concernant justement cette, cette, cette notion fondamentale, et c'est elle qui explique euh, toute euh, adoration. L'adoration d'abord. Et il faut le rappeler, mais rien d'autre n'est rien d'autre que la mise en pratique, la traduction, la traduction de cet amour de Dieu qui doit euh, envahir euh, les cœurs. Donc une adoration qui ne se base pas sur l'amour de Dieu, c'est une relation mécanique, j'allais dire. Et d'ailleurs, l'imam euh, Nawawi quand euh, il a parlé des différentes catégories euh, de personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala ou des différentes façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé euh, de ce qu'il appelle euh, l'adoration des esclaves, puis l'adoration des euh, mercantiles ou des commerçants et euh, l'adoration des braves. Et chaque adoration, il a, c'est très et là sa spécificité, c'est-à-dire l'adoration des esclaves. C'est que c'est ceux qui adorent Dieu par peur, par crainte. Ils ont peur de Dieu. Et d'ailleurs, il est recommandé justement d'avoir peur de Dieu et de craindre Dieu. Mais quand vous l'adorez uniquement sur la base de la peur, cette peur peut vous mener, vous mener d'après Anouaui, vers le désespoir. Voilà. Deuxième catégorie, c'est l'adoration des commerçants, des mercantiles, donnant, donnant, gagnant, gagnant. C'est-à-dire que je m'engage, je m'engage à t'adorer, mais en contrepartie, je m'attends justement à une contrepartie qui est le paradis. Quoique, oui, parce que nous sommes nous entre, eux, justement, euh, la prière entre plutôt l'adoration des esclaves l'adoration basée par la crainte et l'adoration justement par par intérêt par intérêt mais quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement par intérêt avec ce rapport mercantile entre euh, avec le seigneur l'imam Nawawi considère que cette adoration n'était n'était pas la bonne la bonne adoration pour l'imam Nawawi c'est l'adoration des braves et l'adoration des braves, c'est l'adoration qui est basée d'abord sur, sur l'amour que nous avons pour Dieu et la reconnaissance que nous avons justement euh, euh, envers Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné euh, euh, dans de vie, celui qui nous a donné dans de risque, dans de santé, don, donc nous, nous jouissons en quelque sorte dans les bienfaits, hein, dans un niam comme on dit, dans les bienfaits et, 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 et de Dieu. Donc là euh, je pars du verset du verset euh, 31 du chapitre Al Imran, la famille d'Imran, qui dit Ce verset va en quelque sorte nous accompagner durant euh, euh, tout notre, notre, notre propos dit, donc en s'adressant au prophète, Dieu, euh, en s'adressant à ce prophète, il lui demande de dire, dit, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Donc, nous constatons que euh, l'amour de Dieu, celui qui prétend euh, aimer Dieu, il n'a qu'à, euh, justement, mettre en pratique cet amour, comme je viens de dire, et la mise en pratique de cet amour, suivre le modèle qui nous a été envoyé, qui est Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, dit, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi, c'est-à-dire, confortez-vous confort, confort, confortez en quelque sorte, conformez-vous, afouane, conformez-vous justement à mes enseignements, à ce que je vous ai enseigné euh, en tant que prophète. Donc, suivez-moi, euh, Dieu vous aimera alors, et vous pardonnera vos péchés, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc, nous sommes face à deux catégories d'amour qu'il faut bien distinguer. Il y a l'amour de l'être vers son créateur, l'amour du serviteur vers Dieu, Mahabbatul hein Abdilillah. Et cet amour, c'est lui qui, qui va motiver en quelque sorte euh, l'adoration. Donc, l'adoration n'est rien d'autre que le reflet de cet amour qui doit être dans le cœur. Et d'ailleurs, cet amour initial, en lui-même, c'est une adoration. Les spécialistes, hein, les spécialistes de ce qu'on appelle de l'adoration euh, invisible, il y a les piliers que nous connaissons, il y a les obligations que nous connaissons, le jeûne, le, le, la prière, le mal, le pèlerinage, mais il y a aussi, hein, et ça c'est ce qu'on appelle l'adoration du, du cœur et du corps. Hein? Donc cette adoration prend forme en quelque sorte. Mais il y a une adoration qui ne prend pas forme. C'est une adoration cachée, invisible, dans les profondeurs des cœurs de chacun d'entre nous. Et l'amour de Dieu fait partie justement de euh, ces euh, adorations. Donc dire euh, euh, l'amour de Dieu comme créateur créateur, comme, comme pourvoyeur, comme nourrisseur, comme celui qui dispose notamment de cet univers, donc on lui euh, euh, doit euh, cet amour, et puis, et ça on le verra dans un deuxième point, dans une deuxième partie, « mahabbatu al-khalqi donc certes, il y a cette, toujours encore, toujours ces deux dimensions, la dimension verticale, la dimension horizontale. Donc la, la, la dimension verticale, c'est l'amour de Dieu. Hein? Et puis la dimension horizontale, c'est l'amour des êtres. Parce que, et d'ailleurs, il, il, il est dit aussi dans la tradition que l'amour des autres vous mènera. On le verra euh, euh, tout à l'heure, euh, d'après des dires, notamment un dire sacré euh, de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Donc, vous aurez remarqué qu'il y a l'amour de Dieu et l'amour en Dieu. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Donc, euh, on aime Dieu pour ce qu'il est, hein, créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui subvient à nos besoins, celui qui nous défend, celui qui nous, qui, 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 qui nous aime et celui qui dispose de cet univers. Et puis, l'amour aussi, l'amour de l'être, l'amour du prochain, l'amour de, de l'autre. L'amour du croyant, du non-croyant aussi, hein l'amour de, de l'humain d'une façon euh, euh, générale. Et d'ailleurs, c'est cet amour de l'être, de l'autre, euh, qui, en quelque sorte, nous permet de vivre en paix entre, entre les gens. Une fois que cet amour est affecté, eh ben, les relations humaines, les relations humaines entre les gens se trouvent euh, euh, compromises. Donc, nous avons dit que. Euh, اصل في العباده في حد ذاتها ليست الا ترجمه كما قلت لهذه المحبه دونك cet amour cette c'est cet, euh, plutôt l'adoration n'est rien d'autre que une traduction de de cette de cet amour le dire du prophete عليه الصلاه والسلام euh, ثلاث من كنا فيه عرف بهن حلاوه الايمان « Trois choses, celui qui les a, goûtera à la saveur de la foi. » Donc la foi, il a une saveur. Et parmi justement ces trois choses qui procurent la saveur de la foi, c'est aimer Dieu, aimer son prophète, et aussi aimer son prochain. « Donc il aimera, il, il aimera Dieu et son prophète plus que quiconque. Et puis, il aimera aussi, hein, il aimera aussi son frère, il aimera son semblable, <coughs> et il ne l'aimera que pour Dieu. Et il détestera, bien sûr, de faire marche arrière dans euh, la voie qu'il avait avant qu'il embrasse euh, 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 la foi, la foi musulmane. Donc, <coughs> finalement, l'amour de Dieu, l'amour de son prophète, l'amour du prochain, hein, l'amour de l'autre, procure... Hein, ces trois amours procurent justement cette saveur que doit goûter et que doit sentir chacun d'entre nous. Donc, mm. al -ibad al hein, finalement, l'amour de Dieu qui motive l'adoration, en elle-même une adoration, mais c'est elle justement qui, euh, qui doit euh, se répandre d'abord dans le cœur pour qu'il anime hein, tout un comportement à observer et tout un culte à observer. يودي <coughs> في سورة البقرة: "والذين آمنوا أشد حبا لله". أور لي كرايونس سونت لي بلوز ان لامور دو ديو. هذا الحب المؤدي إلى الطاعة هو حب حب العبد لربه. دونك سيت لوجيك فيرتيكال. فما هو حب الله لعبده؟ يفو أه يعني اون بارتي Ne sont partis par l'amour que euh, observe l'être humain vis-à-vis -vis de son Seigneur, mais la contrepartie, c'est-à-dire l'amour de Dieu, hein, l'amour de Dieu. Donc le verset il est toujours avec avec nous. Vous prétendez aimer Dieu, vous avez un, un modèle à suivre qui s'appelle le Prophète, il vous enseignera la voie et le chemin qui mène vers moi et qui va vous procurer en fin de compte l'amour c'est à dire mon propre amour et ce que nous cherchons à travers l'amour de dieu à travers les obéissances que nous multiplions à travers tout ce que nous faisons en fin de compte qu'est-ce que nous recherchons nous recherchons tous l'agrément de dieu et nous recherchons tous l'amour de dieu Alors, parlons un peu un peu aussi de l'amour de dieu et quel est le secret de cet amour et qu'ils sont surtout les moyens et la voie qui mène vers euh, cette, euh, cette, cet amour. Donc nous avons, nous savons tous et nous l'avons dit, que la voie qui mène vers l'amour des dieux pour que Dieu nous aime, c'est les obéissances, c'est les obligations, c'est ce que Dieu nous a prescrit, hein, d'une façon générale, et d'ailleurs dans un dire sacré dans lequel Dieu dit, وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه كان دولامور. et qui parle justement de cet amour de Dieu. Là, on parle de l'amour de Dieu vis-à-vis -vis de l'être. Donc comment Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter l'amour de Dieu Qu'est-ce qu'il faut faire pour imiter et, et, et mériter l'amour de Dieu Et Dieu dit que ce que j'aime, la voix que j'aime, et la voix que je recommande à mes serviteurs, s'ils veulent euh, gagner mon, 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 mon amour et mon agrément, il faut d'abord qu'ils utilisent la voie royale qui mène vers moi la voie royale c'est les prescriptions religieuses c'est les obligations religieuses et j'insiste sur ça parce que notamment au mois de ramadan au mois de ramadan il y avait de toute façon au début du ramadan maintenant on a pris l'habitude hein, hein, euh, au début du ramadan on a beaucoup parlé notamment des prières sur des tarawih oui c'est bien mais tant que l'obligation euh, n'est pas Bien fait d'ailleurs le dire sacré de Dieu qui dit que la voie royale qui mène vers mon agrément, vers mon amour, si vous la recherchez, c'est la prescription, ce que je vous ai prescrit, les choses obligatoires. Et puis, donc ce que j'aime dans mon serviteur, c'est qu'ils utilisent la voie des prescriptions, la voie des obligations religieuses pour justement s'approcher de moi. Et puis, en plus de cette voie royale, il y a ce qu'on appelle la voie complémentaire. Donc, continuera encore mon serviteur à se rapprocher de moi, en plus de l'obligatoire avec du surrogatoire, surrogatoire jusqu'à ce que je l'aime, encore une fois, la notion de l'amour, jusqu'à ce que je l'aime. Finalement, donc, l'obligatoire plus le surérogatoire sur mène vers l'amour de Dieu. Qu Qu'est-ce euh, qu qui se passe une fois que Dieu aime quelqu'un Il l'englobe. Il le protège. Hum Il est tout le temps avec lui. Et Dieu dit, je serai ses oreilles. Je serai ses yeux. Je serai sa main. Je serai ses pieds. Et s'il si me demande, j'exaucerai, et s'il si me demande, j'exaucerai, et s'il si, si demande refuge auprès de moi, je le protégerai. Finalement, donc cet amour de Dieu, c'est une protection, c'est une assurance que Dieu justement fait hein, pour, pour le, le croyant une fois qu'il l'a qu aimé. Donc la voie qui mène, hein, qui mène vers Dieu, al-Nawafil. Tout ce qui est obligatoire et plus les surrogatoires. Ils nous sont pleins dedans. Le mois de Ramadan, c'est vraiment l'occasion, l'occasion qui, qui 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 joint les deux. Il joint l'obligatoire, le jeûne obligatoire, les cinq prières obligatoires, et en même temps, nous avons le surrogatoire, notamment les prières nocturnes que nous faisons chez nous. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, nous n'avons jamais prié. Nous n'avons jamais plus prié qu'en que en ce moment durant le confinement. J'allais dire que le confinement va nous manquer. J'allais dire que le confinement va nous manquer. Et nous avons prié tous les jours de risque minimum en famille, en famille, toute la famille. Et ça, franchement, au début, on posait milliers de questions. Les tarawih vont nous manquer, les mosquées vont nous manquer. Oh, c'est vrai, les mosquées nous manquent. Mais sachez que nos mosquées, comme euh, notre foi, comme dit Ibn Taymiyyah, je vous l'avais dit dans mon premier, mon premier dars, euh, mon, mon jardin secret, c'est-à-dire ma foi, hein, il est dans mon cœur. Et mon cœur, il est dans ma, dans ma poitrine. Personne ne peut justement euh, euh, l'atteindre. Et là, nous avons vécu, là, nous sommes maintenant à mi-Ramadan, nous avons vécu des moments de forte intensité d'adoration durant ce mois de Ramadan que Dieu euh, 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 agrée et accepte ce que nous avons fait. Donc le mois de Ramadan c'est l'occasion par excellence qui euh, qui joint les deux voies hein, qui mènent vers l'amour de Dieu. La voie royale et la voie complémentaire. La voie royale c'est quoi C'est le jeûne et la prière obligatoire. La voie complémentaire c'est notamment les prières sérégatoires, les tarawih. Ben celui qui rate ce rendez-vous hein, d'amour Hein, de Dieu, celui qui rate, qui rate ce rendez-vous que Dieu a tracé, c'est-à-dire qu'à la fin du mois du Ramadan, n'arrive pas à décrocher cet amour de Dieu pour lui. Hein? Parce que nous sommes partis de l'amour de Dieu, vers de l'amour que nous manifestons pour Dieu, pour gagner l'amour de Dieu pour nous. Eh bien, la voie, il vous est ouvert, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le cosmos? Alors que nous, on n'est pas au courant. Hein? Il se passe beaucoup de choses quand Dieu aime un être humain. L'être humain en tant que tel, en tant que tel, il est bien sûr la créature favorite, la, la créature préférée par Allah subhanahu wa taala parce du fait que il l'a façonné de ses propres mains. Inna Allah taala ida ahabba abdan Al Hadith le Bukhari « Inna Allah ida ahabba abdan » et Gabriel, "Je aime par son nom, son prénom, fa ahbibuh." Et fihibuh Gabriel, puis il appelle dans inna Allah yuhibbu Foulan, fa ahbibuh." Fihibuh ahlus sama, puis yudha'u lahu al-qabul Il a pas plus extraordinaire, il y a pas plus spectaculaire que tout ce bouleversement du monde. De tout ce témoignage des habitants des cieux et des habitants de la terre pour manifester quelque chose pour un être humain à qui Dieu a manifesté son amour. J'espère que je le serai. J'espère que vous le serez, Inshallah. Que vous le soyez, Inshallah. Et qu'on aura en fin du ramadan gagné cet amour de Dieu. Et une fois que Dieu aime quelqu'un, qu'est-ce qui se passe Dieu appelle Jibril l'ange Gabriel, et lui dit, j'aime un tel. Il le cite par son prénom. J'aime un tel. Je t'ordonne de l'aimer. Saïd Najibril, lui manifeste son amour. Il l'aime. Et il sera, un appel sera fait dans les habitants des cieux en leur disant, Dieu aime un tel. Homme ou femme il vous est demandé de l'aimer. Tous les habitants du ciel, parce que Dieu t'aime, vont justement t'aimer après t'avoir aimé, Jibril alayhi salam. En plus de ça, ceux avec qui tu vis sur terre vont en quelque sorte manifester leur approbation, leur agrément, leur respect. Pour cela que T as un, un repère, hein? si tu es apprécié, si tu es aimé, si tu es approuvé en quelque sorte par tes semblables sur terre, croyants et pas croyants. Ta le pas uniquement pas, ni, euh, auprès des croyants, croyants et non-croyants. Sache que tu es aimé aussi et apprécié aussi et agréé aussi dans les cieux. Et tu es aimé par Dieu. Et d'ailleurs, cet agrément, cet amour des, gens, des habitants du ciel, des cieux et des habitants de la terre n'est rien d'autre que la résultante de l'amour de Dieu pour toi. Donc nous avons vu ce chemin, hein, ce chemin euh, royal qui mène vers euh, l'amour de Dieu pour toi, qui est ce qu'on appelle... L'obéissance euh, d'une façon générale avec les obligations, avec l'obligatoire et le, le, le sur-érogatoire. Il y a d'autres chemins. Il n'y a pas que celui-là. Parce que tout à l'heure, les deux dimensions, il faut toujours les avoir en tête. Hein? Et c'est ça d'ailleurs euh, l'islam. Et d'ailleurs, il y a trois dimensions. Il y a la verticale, l'horizontale, il y a la circulaire aussi. Il y a toits dans tout ça. Hein? Donc il y a toi, hein euh, l'être et puis il y a ta relation avec le Seigneur et ta relation avec les gens. Deuxième euh, voie qui euh, te mène vers l'obtention de l'agrément de Dieu et de l'amour de Dieu. Hubbu l'amour du prophète. Oui, l'amour du prophète. Allah. Voilà, toujours le verset, hein. C'est le même verset qui nous accompagne. La yu'minu ahadukum hatta ne sera, ne sera vraiment un bon croyant ne sera vraiment un bon croyant que celui qui m'aime, dit le prophète et Il me manifeste son amour, plus que ses enfants, ses parents, et plus que quiconque monte. D'ailleurs, le même hadith que nous avons cité, trois choses.

Dans le respect de nos parents, on leur doit tout. Bien sûr, avant, avant euh, après euh, la guidée ou la guidance de notre Seigneur qui nous a mis dans la bonne voie, hein, il y a aussi nous, nous, nous devons tout hein, et nous sommes reconnaissants vis à vis de nos parents. Pour ceux, pour ceux et celles qui ont encore la chance d'avoir leurs parents vivants, qu'ils fassent attention, notamment dans ce mois de Ramadan. Le hadith, vous le connaissez tous. Celui qui commence le Ramadan et le termine sans que Dieu lui aura pardonné, c'est un mahroum. Vraiment, euh, il a raté une occasion d'or. Et celui et celui qui a ses parents vivants, -dire on nage de leur. Pas en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, on dépend de nos parents, mais on nage de le, de le, de leur, de leur apporter quelque chose. Et il n'a pas fait. J'en, pas dire euh, ses devoirs parce qu'on peut pas tout faire. Et il n'a pas fait ce qu'il doit être fait. On ne fera jamais assez vis-à-vis -vis de nos parents, mais au moins leur rendre un peu de ce que, de tout ce qu'ils nous ont, euh, nous ont fait durant toute leur, leur, leur vie. Donc, Peut-être un jour, je reviendrai sur tout un prêche sur ce sujet. le dévouement envers les parents. Et vous lisez dans le Coran à chaque fois que Dieu parle de lui, de ses droits. Vis-à-vis de nous, il nous parle tout de suite. Des droits. Remercie-moi, sois reconnaissant envers de moi, envers moi, mais aussi sois reconnaissant envers tes, euh, tes, tes parents. Quatrième et dernière voie qui te mène vers euh, l'amour de Dieu, c'est être en, en bonne relation avec les autres. Et ça, ça mérite tout un prêche. Ça mérite toute euh, une conférence. Et d'ailleurs, moi, je suis connu, hein. Je traite beaucoup, beaucoup ce genre de sujet parce que aimer Dieu, c'est bien. Mais il y a un chemin qui mène vers Dieu. Et souvent, ce chemin, il y a l'homme. Il y a cette créature euh, divine qui est l'homme. Hubbul <laughs> <gélib��> aimer les autres. nas Le hadith, vous le connaissez tous, vous l'avez appris euh, par cœur. nas ilallah. Anfa'hum l'innas. Très simple. Le prophète a été questionné. Quel est le plus aimé parmi les gens Quel est le plus aimé parmi les gens, le plus aimé par Dieu hein Quel est le plus aimé par Dieu parmi les gens Le prophète Alayhi on s'attendait tous à ce que le prophète va essayer d'aller voir dans le registre cultuel, dans le registre des obligations religieuses, celui qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui fait la à tous les ans, qui fait le pèlerinage tous les ans, qui fait l'omane, ce qu'on appelle le registre cultuel. Mais non, le prophète alayhi salatu il est allé chercher dans un autre registre qui est celui de la morale et celui du comportemental. Et il a répondu Le meilleur, celui, celui que Dieu aime le plus, c'est celui qui est au service des gens. Soulignez, soulignez bien les gens c'est lui qui est utile aux gens. Celui qui est toujours dans l'entraide avec les gens. Celui qui est toujours en bonne relation, en bon, terme, en bon terme avec les gens. Et aussi, Dieu dit dans un dire sacré Wajabat Lisez bien en arabe, qu'est-ce que ça veut dire Wajabat fi an yujib an illahi shei Abadan. Dieu dit Wajabat. C'est-à-dire, quelque chose s'est imposé à moi quelque chose s'est imposé à moi mais là personne n'impose à Dieu quoi que ce soit c'est lui qui s'impose c'est lui qui s'impose à ça qu'est-ce qui s'impose à lui de t'aimer tout simplement de t'aimer pourquoi parce que tu as aimé tes semblables parce que tu as aimé ton prochain wajabat mahabbati al fiyya Al-Mutabadilina fiya Al-Hadith yarweh Idris al-Khulani. Fi muwatta imam Malik. Mon amour s'impose. Mon amour s'impose pour deux personnes qui s'aiment pour moi, qui restent ensemble pour moi, qui se rendent visite mutuellement pour moi et qui s'entraident pour moi. Je vous invite. À méditer, notamment se dire de Dieu, voilà, euh, qui s'impose de t'aimer, qui s'impose de nous aimer, parce qu'on s'aime les uns les autres. En, enfin, pourquoi j'ai choisi ce, cette valeur, cette notion d'amour, euh, surtout dans ce mois de Ramadan Parce que parfois, je ne vais pas dire souvent, mais parfois, on associe à à cette religion qui est la nôtre, que c'est une religion dépourvue d'amour, que le Coran n'a pas parlé d'amour. Il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à dire que non, l'amour n'existe pas dans le Coran. En tout cas, on leur dit euh, on n'a pas apparemment le même Coran, on n'a pas le même, le même, la même référence. Le Coran dont on se réfère, voilà ce qu'il dit. Et l'islam d'ailleurs n'est pas uniquement le Coran. Je vous ai cité deux ou trois dires sacrés. C'est quoi un dire sacré? C'est la parole de, la parole de Dieu, mais qui n'existe pas dans le Coran. Mais ça, il faut, donc il faut, aller chercher pour connaître les choses. Il y a la parole de Dieu dans le Coran, il y a la parole de Dieu en dehors du Coran, et il y a la parole du prophète, alayhi salatu salam, qui explique et qui explicite la parole de Dieu dans le Coran, et parfois il ramène quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Et puis, il y a la parole de, de Dieu dans le cosmos. Dieu continue à nous parler. Dieu n'a jamais cessé de nous parler, comme dit al tout, 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 le temps. C'est pas Dieu, l'a parlé à un moment donné, ça y est, il a cessé de parler. Dieu, il a parlé dans le Coran, dehors du Coran, il nous parle encore, il continue à nous parler à travers l'univers, ce qu'on appelle le livre déployé, mais il continue aussi à nous parler à travers nous-mêmes. On va faire un Voilà donc ce que je peux dire sur cette notion de l'amour, euh, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Deuxième point. Euh, je vais dire juste quelques mots parce que ça ne mérite pas de, de consacrer tout un prêche. Je, je déplore, surtout cette dernière semaine, je déplore la multiplication des communiqués de telles fédérations, de telles mosquées ou de telles organisations euh, traitant de, de quelque chose que nous avons jusqu'à aujourd'hui considéré quelque chose de sacré. L'union sacrée. L'union sacrée... Euh, autour de la santé, autour de la préservation de la santé. Et je me réjouis aujourd'hui, hein, je ne suis pas le seul, les autorités, euh, l'opinion publique, donc tout le monde a joué le jeu et tout le monde a été au rendez-vous. Et d'ailleurs, le Premier ministre et les ministres qui ont pris la parole euh, hier nous ont justement rendu hommage. Euh, que voilà, vous avez mérité en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez mérité le déconfinement parce que il était entre parenthèses que euh, déconfinement ou pas. Ben, vous avez mérité le déconfinement parce que le fameux R 0 R 0 comme on dit, il euh, est euh, au, autour de 0,6. Donc euh, voilà, à partir de lundi, euh, on va avoir la liberté et on doit et on va sortir sans autorisation, quoique. Euh, on ne sortait que pour euh, l'extrême euh, nécessité. Donc on faisait ce bloc. Ce bloc est en train malheureusement euh, d'être plus ou moins euh, touché. Et ça, ce qui est déplorable, c'est que des voix musulmanes, oui je dis, des voix musulmanes, qui ont euh, mis à l'ordre du jour quelque chose qui ne doit pas être à l'ordre du jour. Et puis, et puis on parle hein, dans un communiqué ou dans deux. On parle de discrimination, d'iniquité, d'injustice. En tout cas, nous, un musulman de France, et là, vous me permettez que je parle au nom de musulmans de France que j'ai l'honneur de présider, et au nom de la mosquée de, de lîle Sud, que nous, on n'a pas, on n'a pas, on ne partage pas cette notion euh, de discrimination. Parce que nous, on n'a rien demandé. Les musulmans de France n'ont pas demandé au gouvernement au pouvoir public, de leur donner le 24 pour fêter l'Eid. ne considérons que le 24, c'est trop tôt. Et c'est pour cela qu'on va prier l'Eid chez nous. Comme nous avons prié, et d'ailleurs nous, nous continuons à prier le vendredi, c'est plus important. Encore une fois, l'obligatoire, la, la voie royale, et le sur obligatoire l'obligatoire, la prière du vendredi. Les cinq prières euh, euh, quotidiennes, on a, ça fait deux mois qu'on les qu'on qu qu les fait euh, euh, chez nous. Et eh ben l'Id aussi, on le fera chez nous. On n'ira pas au Grand Palais. On n'organisera pas de rassemblement, parce qu'on sait très bien que nous, notamment l'Id, c'est par euh, par des dizaines de milliers. La dernière fois, on était à douze mille. On ne réunira, on ne prendra pas le risque de réunir les musulmans le jour de l'Id. Sinon, on aurait compromis, tout ce que nous avons fait, tout l'effort qui a été fait. Et d'autant plus qu'on se trouve dans une région, encore une fois, de couleur rouge. Et dire aujourd'hui que le gouvernement a cédé à la pression des autres cultes. D'ailleurs, nous, on n'a jamais, on s'est jamais comparé aux autres cultes. Chaque culte est là, sa propre logique. Il a ses propres codes. Il a sa façon de pratiquer. Et on va pas jouer à cette concurrence. J'allais dire, déloyale. Entre les cultes. Non, les cultes se complètent et chaque culte il a son propre code. Moi, je n'irai jamais dire pourquoi vous avez donné au culte catholique et au culte israélite la possibilité de célébrer euh, les offices à partir du 29. Le gouvernement il a annoncé que c'est possible de réduire le 2 euh, juin au 29. Voilà. Euh, je dis euh, à, à nos amis catholiques et à nos amis juifs eh bien si ça vous arrange eh bien euh, je vous félicite hein si ça vous arrange de faire euh, de vous d'organiser de, 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 vos offices mais je n'y viendrai pas dire dire pourquoi pas moi c'est quoi pourquoi pas moi vous voulez que je dise que les autorités musulmanes que les fédérations musulmanes et d'ailleurs malheureusement on n'a pas entendu le csm celui qui a normalement le devoir et j'allais dire l'exclusivité le, de traiter de ce genre de de questions, c'est son ordre, c'est son, c'est Malheureusement, il a préféré se taire et qu'ils disent oui. Nous demandons aux musulmans de ne pas célébrer l'id en public parce que c'est trop tôt. Le 11 déconfinement, mais sous surveillance, comme on dit, liberté, euh, j'allais dire liberté euh, conditionnée euh, du 11 au 24. Il y a, allez, 10, 12, 13 jours, 13 jours. C'est insuffisant d'ouvrir les vannes et, recevoir, et de recevoir un public tel que le nôtre. Notre public elle est cher. On lui doit tout. On lui doit toutes les précautions. On lui doit toutes les assurances. On ne les réunira pas. On verra. Les mosquées continueront toujours à être fermées jusqu'au fin, fin mai. Après, le 2 juin. On verra, bien sûr, parce que les choses vont évoluer, les euh, consignes sanitaires vont évoluer, mais on va y aller doucement. Et d'ailleurs, nous sommes en train, nous sommes en pleine réflexion pour se préparer au déconfinement. Parce qu'un déconfinement, c'est quoi? Il y a des conditions. Il y a les masques, il y a le gel, il y a la différenciation, il y a des espaces, il y a, il y a le, la, la désin, dés, dés, désinfection, tout ça. Il faut le mettre en place pour pouvoir inviter, encore une fois, nos corollégionnaires légionnaires chers à nos cœurs, de venir hein, prier dans les mosquées. Vous pouvez compter sur nous, hein? nous sommes en train de réfléchir justement, mais dans un cadre de respect de la légalité, et, et on ne s'exposera jamais, et on ne vous exposera jamais à ce que vous soyez désigné du doigt. Ce sont ces musulmans qui ont violé les règles sanitaires, ce sont ces musulmans qui se sont réunis et ils ont créé un foyer, un hein, cluster comme on dit, euh, uh, un, un, ils ont créé un foyer uh, uh, d'épidémie. Donc voilà un peu, je déplore, cette multiplication des communiqués. Nous, on s'apprête à musulmans de France de sortir, de sortir uh, une explication. Hein, donc... Uh, euh, déconfinement des, des mosquées ou plutôt ouverture des mosquées et des écoles arabes, ce qu'on appelle les écoles du week-end, qu'on appellera euh, déconfinement des, des mosquées et des écoles mode d'emploi. Et d'ailleurs, nous pensons aller dans le sens de ne pas prendre de risque d'inviter ou de ramener nos élèves. Nous sommes à un mois de la fin, de, à un mois de la fin d'année. Hein, on va justement fermer les écoles, nos écoles du week-end. Hein? On n'a pas les moyens de, de de mettre en pratique tout le protocole. Vous savez que le protocole c'est un protocole très très exigeant euh, qui a été euh, avancé par le ministère de l'éducation nationale. Ce sont les mêmes élèves qui vont à l'école de la République et que la République le, leur accorde beaucoup d'importance. Ah, Il prend toutes les dispositions. Attention, mes frères, mes sœurs, dans nos, dans vos mosquées, les mêmes exigences de l'éducation nationale. Pour ces jeunes, doivent être pris en considération à la mosquée. Et si vous ne pouvez pas, et je pense qu'on ne peut pas, je pense, je suis sûr qu'on ne peut pas être au rendez-vous, autant fermer. Autant fermer, continuer l'enseignement à distance, euh, tout, tout simplement. Donc, encore une fois, cette multiplication des communiqués n'a pas lieu d'être. Euh, discrimination, nous ne l'avons pas vue, et nous souhaitons euh, des, de très bons moments. De, 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 de fêtes religieuses pour nos amis catholiques et juifs, et qu'on leur dit, vous et nous, nous sommes logés à la même enseigne, et que euh, le respect doit justement exister, doit exister entre, entre nous, et nulle, et nulle concurrence, hein, nulle concurrence entre nous, en tant que tous issus d'un même père qui est Ibrahim, Abraham, alayhi wa أن الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يتقبل منا وأن يحفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزته وقدرته وعظمته أن نغتال من تحتنا، وبارك الله لي ولكم في الصيام والقيام، وجزاكم الله كل خير، وإلى جمعة مقبلة إن شاء الله.